est belle. Elle a été tendue juste à la bonne hauteur pour que le ballon glisse bien, aille rapidement. L'ambiance était plutôt bonne, malgré le ciel menaçant qui pourrait nous donner un peu de pluie plus tard. Mais pour l'instant, pas de gouttes. Voilà un stade magnifique, plein comme un neuf. C'est parfait pour ce match. Et coup d'envoi de ce match. Le Talek. Souquet. Montpellier qui peut avancer. Allez. Il ne résiste pas au contact. La board. C'est parfait, magnifique. Le soutien derrière lui. Attention, la frappe. C'est parti. Le retourner. Aucun danger pour le gardien. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. L'âne. Le ballon dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Et un bon centre dans la surface. On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre l'anglais, mais j'ai raison ou pas? Oui, oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Voilà tout. C'est clair avec vous. Il allonge le jeu. Ça pourrait être dangereux. L'interception, c'était chaud. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Le ballon sort en touche. Souquet. Montpellier qui essaye de construire. En jeu apparemment. Dégage, loin. Ça joue à gauche. Et il cède sous la pression. Dans la profondeur. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. C'est bien donné. Va-t-il en profiter? Oh, il résiste bien. Il continue. Il peut frapper. Le premier but pour Montpellier. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. Montpellier qui a donc ouvert le score. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. C'est joué long, c'est osé. Bonne interception, il y avait danger. Ça joue long vers l'avant. Il cherche la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Savanier. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent l'avantage. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ça peut partir en contre. Sur la gauche. Savanier. Le ballon piqué sur le côté. Et le gardien s'en saisit, tranquille. Un long ballon vers l'avant.
un seul but inscrit dans cette rencontre jusqu'ici. On attend un peu que ça s'anime, franchement. Il tire. Et le cadre se dérobe largement. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Il allonge vers l'avant. Le Talek. La borde. Oh, voici Delors. Il est servi. Ça peut être dangereux. Oh, but. Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais ils devraient pouvoir défendre leur avance maintenant. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ah, et cette défense d'Arènes qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Le long ballon à l'opposé. Savanier, en la profondeur, bien vu. Ça ne passe pas. C'est joué long, attention. Bon, c'est bien joué. C'était bien essayé, mais il ne trouve pas de partenaire. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Duverne qui cherche la profondeur. Et l'arbitre siffle à la fin du match. Bon, ils nous ont régalé. Franchement, cette équipe nous a enthousiasmés. Et l'entraîneur, regardez, est bien sûr.